Bonsoir à tous. Bienvenue en ce jeudi 1er octobre pour la prière du soir. À la page 47. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. À À toi toi le le jour, jour, Seigneur, Seigneur, à à toi toi la la nuit, nuit, toi toi qui qui ajustas ajustas le le soleil soleil et et les les astres, astres, c'est c'est toi toi qui qui fixas fixas les les bords bords de de la la mer, mer, l'hiver l'hiver et et l'été. l'été, C'est c'est toi toi qui qui les les formas. formas. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, Dieu de Dieu de miséricorde, miséricorde, nous nous confessons confessons que que nous nous avons avons péché péché contre contre toi, toi, en en pensée, pensée, en en parole parole et et en en acte. acte, Par par ce ce que que nous nous avons avons fait fait et et ce ce que que nous nous avons avons omis omis de de faire. faire, Nous nous ne ne t'avons t'avons pas pas aimé aimé de de tout tout notre notre cœur, cœur. nous Nous n'avons n'avons pas pas aimé aimé notre notre prochain prochain comme comme nous-mêmes. nous-mêmes. Nous Nous regrettons regrettons sincèrement sincèrement ces ces fautes. fautes. Humblement, Humblement, nous 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 en en repentons repentons pour pour l'amour l'amour de de ton ton Fils Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ. Prends Prends pitié pitié de de nous nous et et pardonne-nous. pardonne-nous. Alors Alors ta ta volonté volonté fera fera notre notre joie joie et et nous nous pourrons pourrons marcher marcher dans dans tes tes chemins chemins pour pour la la gloire gloire de de ton ton nom. nom. Amen. Amen. Que Que le le Dieu Dieu Tout-Puissant Tout-Puissant nous nous fasse fasse miséricorde, miséricorde, qu'il qu'il nous nous pardonne pardonne nos nos péchés péchés par par Jésus-Christ Jésus-Christ notre notre Seigneur, Seigneur, qui qui nous nous a a fait fait mis mis sans sans tout tout bien, bien, et et par par la la puissance puissance de de l'Esprit-Saint, l'Esprit-Saint, qu'il qu'il nous nous garde garde pour pour la la vie vie éternelle. éternelle. Amen. Amen. Dieu, Dieu, viens viens à à mon mon aide. aide. Seigneur, Seigneur, à à mon mon secours. secours. Gloire Gloire au au Père Père et et au au Fils Fils et et au au Saint-Esprit, Saint-Esprit, pour pour les les siècles siècles des des siècles. siècles. Amen. Amen. Joie Joie et et lumière. lumière. Joie Joie et et lumière lumière de de la la gloire gloire éternelle éternelle du du Père, Père, le le Très-Haut, Très-Haut, le le Très-Saint. Très-Saint. Ô Ô Jésus-Christ, Jésus-Christ, parvenu parvenu à à la la fin fin de de ce ce jour, jour, contemplant contemplant cette cette clarté clarté dans dans le le soir, soir, dans dans le le soir, soir, nous nous chantons chantons le le Père Père et et le le Fils Fils et et le le Saint-Esprit Saint-Esprit de de Dieu. Dieu. Oui, Oui, tu tu es es digne digne d'être d'être chanté chanté dans dans tous tous les les temps temps par par des des voix voix sanctifiées, sanctifiées, Fils Fils de de Dieu Dieu qui qui donne donne vie. vie. Tout Tout l'univers l'univers te te rende rende gloire. gloire. Méditons ensemble sur le psaume 61, puis 62 et ensuite 64. Ô Dieu, écoute mes cris. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte, en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes prières. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours aux jours du roi. Que ses années se prolongent à jamais. Qu'il reste sur le trône éternel devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Ici se termine la lecture. Le psaume 62. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre, comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse? Il conspire pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir aux mensonges. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire.
le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité, les fils de l'homme. Mensonge, les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble, plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, deux fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le psaume 64. Ô Dieu, écoute ma voix quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent, qui les verra? Ils méditent des crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Dieu lance contre eux ses traits. Soudain, les voilà frappés. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient secouent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils publient ce que Dieu fait et prennent garde à son œuvre. Le juste se réjouit en l'Éternel et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, nous passons à la lecture de l'Ancien Testament, 2 Chroniques, chapitre 6, versets 1 à 21. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité, et moi, j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël, et toute l'assemblée d'Israël était debout. Et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant. Depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y fût bâti une maison où résida mon nom, et je n'ai point choisi d'homme pour qu'il fût chef de mon peuple d'Israël. Mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y résida, et j'ai choisi David pour qu'il régna sur mon peuple d'Israël. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, « Puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison à mon nom. » L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'y ai placé l'orge où est l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a faite avec les enfants d'Israël. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël, et il étendit ses mains. Quand Salomon avait fait une tribune d'airain, il l'avait mise au milieu du parvis.
Elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées et haute de 3 coudées. Il s'y plaça, se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël et étendit ses mains vers le ciel. Et il dit, « Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père. Et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, « Tu ne manqueras jamais devant moi le successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent dans ma loi comme tu as marché en ma présence. » Qu'elle s'accomplisse donc, Éternel, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce. Et pardonne. Ici se termine la lecture. Nous louer tout.
Lecture de l'Évangile de Saint Marc, chapitre 13, versets 14 à 23. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces jours n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés, à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Ici se termine la lecture. Une petite méditation du psaume 61. Dans ce psaume, nous voyons David qui crie vers Dieu. Il le dit si bien, du bout de la terre. Il élève ses cris de détresse. Et dans le psaume 62, il dit « Seigneur, écoute mes gémissements. » Et David, dans ses moments difficiles, les pires moments difficiles de sa vie, surtout les problèmes qui existaient au sein de sa propre famille, un frère qui tue un autre frère, un frère qui viole sa demi-sœur, et lui-même David, il a été poursuivi. Il devait fuir devant son propre fils, Absalom. C'est dur pour un père. Et donc, il reconnaît que c'est seulement en Dieu, en son Dieu l'Éternel, qui le secourt, qui le soutient, qui le délivre. Car l'Éternel Dieu, il le confesse de sa bouche, c'est lui son rocher, son abri, sa forteresse. David, son cœur était vraiment troublé. Son cœur était dans la douleur. Et il reconnaît qu'il est bouleversé par la situation. Mais que sans le soutien du Seigneur, il s'écroulerait. Autrefois, Dieu l'a béni en le protégeant, en écoutant ses vœux, en lui accordant ce qu'il demande. Et donc, nous voyons que c'est logique que David présente toujours des nouvelles requêtes à Dieu, parce qu'il sait que le Seigneur l'écoute et que le Seigneur lui répond. Frères et sœurs en Christ, l'exhortation qui sort de ce psaume, que nous, les enfants de Dieu, nous les chrétiens, nous qui sommes sauvés par le sacrifice de notre Seigneur Jésus, nous sommes conscients que Dieu est celui qui vient à notre secours et que nous pouvons compter sur lui. Car à chaque fois que nous faisons face à des moments difficiles et quand nous crions vers lui, il répond. Il vient à notre secours. Il vient nous aider dans des moments difficiles. Alors, ce soir,
frères et sœurs en Christ, reposons-nous sur lui en tout temps, en toutes circonstances, afin que nous puissions faire face de notre présent et aussi de notre futur, car notre futur, il est dans la main de notre Dieu. Amen. Maintenant, ô Maître souverain, ensemble, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons ensemble le symbole des apôtres, à la page 53. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Comme notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Invocation B, à la page 55. Demandons au Seigneur que ce soir, tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur, que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur, que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur, que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur, que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur, que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements, et que délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander aide dans les périls. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie, protège-nous des dangers de la nuit qui vient, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent,
et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Amen. Prière pour la mission de l'Église. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent. Veille ou pleure cette nuit et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ, et donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants, soulage ceux qui souffrent, console les affligés et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Amen. Action de grâce générale, page 58, ensemble. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi. Dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours, nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque deux ou trois se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous, en cette vie, la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous, éternellement. Amen. Merci à vous tous. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et à la prochaine fois. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le son de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne n'efface, c'est le vœu de mon âme à toi fait. Un seul instant auprès de toi vaut mieux les heures et la route. Tout pour autant
soit toi qui m'accompagne parmi de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête et sans rien que le son de sa voix. Et sans rien que le son de sa voix. Et sans rien que le son de sa voix.